Hello guys, qui j'en ai eu ça a fait, mais j'espère nous tout en forme. Jeudi, je vais tourner la caille nous encore. Maintenant, kitchen la caille jeudi, je vais faire un bain pour nous remettre un peu la haïtienne. Et ce n'est pas seulement haïtienne qui commence à remettre ça à faire, nous nous sommes là déjà. Et c'est toute nation qui conteste griot déjà, qui commence à remettre banane pesée avec griot. So, donc, jeudi, je vais faire un bon petit griot pour nous avec banane pesée et puis avec pickles. Ok, guys, so. Nous allons commencer, mais tout ça m'a là pour faire manger yo. Donc, je vais commencer avec griot que je vais faire, mais viande que je vais gagner. Ok? Je vais couper viande ça ensemble avec nous et puis mettre tout ça m'a là pour épicer. Donc, là, je vais faire épicer, je vais dire non pour nous, une après l'autre. Et nous allons commencer par couper viande pour nous laver. Que nous pas une spécifique façon pour nous couper bien. Nous nous couper le jambon anglais, mais on tient jambon filangé pour épice entrer là-dedans. Et puis griot va faire gogo bout tout, nous ca couper pas trop gros. Et puis gaz viande cochon tellement bon, nous pas besoin de trop compliquer viande cochon le noir cuit. Il bon pour compliquer, si nous trop compliquer la goût va bien sortir. C'est goût trop épice et puis moins goût cochon on va le jambon. Donc le nous allons faire, nous allons faire des épices nous bien simples. Nous pas trop compliquer épices là. Et nous pas obligé de faire rapide même genre avec nous si nous pas habitué avec couteau parce que couteau facile couper doit être monde qui pas habitué avec. Et graisse surtout nous pas besoin trop retirer parce que l'air frit vient cochon si c'est cher là comme ça nous manger. Sans nous pas de graisse frit avec il va trop sec et ne pas la manquer feeling. Qui gagne en viande cochon. Si vous ne pas manger viande cochon, pas manger, mais soit manger le résil. Ok, guys, so, nous avons une viande cochon pour laver soit avec citron ou avec orange. Moi, je préfère laver avec orange plutôt, parce que je trouve le bois plus bon avec orange. Mais je mets un petit citron quand même. Parce que acide citron, puis si. On retire un peu dans le jus citron, les oranges là. Pour quantité pas même pas besoin des oranges vraiment. Votre soupe à gagner, nous allons faire avec n'importe quoi. Ok, guys, so, là, on a lavé bien cochon. Nous pas besoin de trop compliqué pour laver avec de l'eau chaude. L'eau lave bien avec de l'eau chaude, c'est pour retirer sang avec odeur. Bien cochon, c'est bon, bien qui a un paquet d'odeur qui est désagréable, passer ça. Donc, pas nécessaire pour laver bien là avec de l'eau chaude. So, nous faisons un petit citron avec de l'orange. Et puis, nous mettons de l'eau là-dedans pour nous rincer. Ok, quand nous mettons de l'eau, make sure que nous passons le citron à l'orange. Là, tout le temps, mettre le vinaigre tout. Juste pour retirer un peu la graisse là-dedans. Ok, nous allons parler de un deuxième petit rincé et puis quand on va mettre le chaudier, nous allons le cuire. Pas besoin de fatiguer son petit bleu tomber là-dedans tout. Bien cochon, j'en dis non, pas besoin de trop de complications. Ok, bien nous laver, nous va blender puis bien cochon, j'en dis non. Moi, je connais, je fais expérience avec elle. Il va pas besoin de trop de complications. Juste racher bois ou mettre sous lui et mettre un petit thym avec persil et puis mettre un piment. Et puis, moi j'ai 11 oignons, je coupe le jonglé. Et puis, moi j'ai un petit piment douce vert que je mets sous le rouge. Et piment ça, c'est un piment qui pique tout, mais qui n'est pas trop piqué, mais permet de manger à chauffer. Et puis, nous avons un petit gingembre tout, qui pour permettre que je vienne un petit bon goût. Nous avons besoin de piler, nous juste frapper. Et puis, nous avons quelques dents l'ail que nous avons tout. Nous n'avons pas même besoin de piler. Si nous voulons nous piler, moi je ne vais pas choisir de piler parce que pour moi, le goût là, il a besoin de faire comme ça. Si vous avez des épices, vous préparez tout, vous pouvez mettre là-dedans. Mais pas mettre trop pour goût, pour goût, vous pouvez vous parler. Haïti, grand, nous devons mettre un petit sieve seulement dans le cochon, un petit lait, il y a des goûts. Tant que compliqué, il y a moins goût. C'est l'expérience. Ça c'est girofle, ça c'est poivre. On a poivre la pilé. Et si on pas le pilé, on va mettre le tout en quête. On a le pilé, on met un petit cal, un petit pot de poivre.
ça lui même li c'est li bay acide tout avec un petit poivre et puis le bon petit gingembre là dedans tout. Nous ca mettre un petit cal si nous gagne. Si nous pas gagne tout, nous ca aller comme ça. C'est puis ça moi même tout, mettre même pas mettre en pile. En toute bagaille mettre un petit cal. Et puis nous mettons un petit magui. Encore si vous voulez mettre magui, si vous mangez magui. On pas mettre en pile magui. Et puis nous mettons de l'eau orange noir avec petit citron. Et puis enfin mettre un petit sel, pas trop parce que ça met yo bien sel déjà. Et puis nous mangeons bien non bien manger pour tout ça mettre yo. Fait un seul avec bien non. Nous ca goûter si nous voulez, mais pas besoin goûter pas non. Et puis celle là pas trop, pas besoin goûter. Et puis nous allons mettre le sous du feu. OK guys, so qu'on y a là, nous allons mettre le sous du feu. Yeah. Les sous du feu, n'a quitté la un petit du feu bien doux, pas trop fort, peut-être pour épice la ka rentrer là-dedans avant nous faire bouillir, mettre de l'eau. Et nous pas besoin d'huile pour viande cochon que l'huile déjà trop graisse déjà même. Viande dans du feu qu'on y a nous cal calé bonne nous pour nous mettre un petit de l'eau sel et puis après ça pour nous faire pickles nous. N'a mettre un petit de l'eau dans un petit sel dans de l'eau. Et puis n'a mettre un petit orange. So, si nous pas gain orange, nous pas besoin fatiguer nous mettre le comme ça. Les oranges là, on nice, un petit bon couleur. Ok, nous allons laver bon dans l'eau pour éviter que nous mettons taché au noir. On lave l'emballe de l'eau pour éviter mon noir hein, et puis il détache bien en poids. Parce que nous faisons ça. Là, il est important pour nous goûter celle-là. Then couper bon dans l'eau, nous voulons. Comme ça. Ou bien comme ça. On a mis les bananes là et puis nous allons faire pickles là. Donc qui te montre nous ça me gagne. Moi gagne un petit piment vert, moi gagne un petit piment jaune, moi gagne un petit rouge et ça c'est deux piments piqués. Moi gagne citron, gagne moi qui mettez vinaigre guys. Si on a fait pickles, on a acheté chou, on a mis chou, on a acheté citron tout, pas mettre vinaigre dans pickles. So, vinaigre là, il doit mettre pour conserver pickles là. Mais si on mange pickles au cours d'il y a une deux jours, mettez citron parce que citron a le plus bon goût. Moi j'ai des oignons violettes là, moi j'ai des échalotes, échalotes là a le bon goût tout. Moi j'ai tous les deux oignons ça. Tous les deux bon, tous les deux importants pour pickles. So, si nous planifions faire pickles, mettez tous les deux oignons. Et moi j'ai une carotte que bien sûr nous toujours mettons dans pickles pour accompagner chou. Et moi j'ai un petit magui si nous mangeons magui et puis moi j'ai un sel qui est obligatoire pour nous mettre dans pickles là. Donc on va commencer. OK, on a commencé avec chou. On a fond chou en deux. OK guys, nous avons trois piments là. J'espère tous les trois bien piqués. Donc nous allons racher les piments séparés et puis nous allons préparer acide pickles là. Ça c'est ça qui est important, ça c'est ça qui a bâti pickles là. Ok, nous allons mettre citron. Ok, so nous allons mettre citron là dedans. Nous allons mettre magui, nous allons mettre sel et puis nous vider. Nous allons mettre même. C'est pas ça qui a fait pickles là pour acide là puis bien sur l'eau mettez mais parce que tout acide on mettez à la lien en bas directement ou qu'à servir ensemble avec sauvlet ou qu'à mettre long bol. OK guys, so bien nous t'a bouillir, nous t'a quitté le bouillir, nous fait pickles on a checké bien non then pas mettre aucun de l'eau dans bien non un salon mettez le filet obligé chaud chaud chaud. On les cache avec banane. OK, là on pense bien non bon. Qui était bien non, relax colle parce que l'œil qui la traite, s'il va bien cuit. Manger pour manger nous petit bon, c'est éviter mettre trop sel, trop magui, trop everything. Depuis bagarre la trois répéter ou pas jeune pour manger. Et puis banane là pour parler, me penser. On compte si banane là parler, nous ca juste mal un petit peu de tout rapide, mais quand même faire ça le bon. OK, moi nettoyer ça parce que c'est là nous elle est bien propre, pas dans la salle.
Parce que c'est là qu'on pèse les bananes avec ça. Nous devons peser là avec un bol si nous ne pouvons pas faire les bananes. Nous devons peser là avec un bout de vaisseau qui est juste plat. A pèse trop gros et trop flat. Et moi pas mouiller banane encore parce que l'on mouiller banane, premièrement, il prend plus de temps pour le frit. Et deuxièmement, il a une facilité pour le boire l'huile tout. Donc depuis que je mette le trempé dans l'eau, moi je finis peser, je mette le comme ça. Nous allons faire un petit bol avec banane. Ça. Ou faire avec pèse citron. Je vais sortir couper banane bien pouest, bien gros. Pour qu'à peser pendant le choix pour la forme ouvrir et puis pas presser avec maintenant c'est du fait bien doux pas trop du fait ça bien là bon on va faire du fait à trop chaud donc il était pour temps pour le bas sec. Ok mes amours, ok chérie yo, so moi fini là. Mais ça m'a fait faire un bel petit plat comme ça pour nous aujourd'hui. Je te montre comment j'ai fait un petit bol. Bonne vraiment simple, nous avons fait. Nous présentons un bel petit plat comme ça, ménage nous, mari, nous ne connaissons pas de nous avons fait dans la nous. Bel petit bagage comme ça à faire bien. Ok, nous faisons ça, nous voulons. Nous devons faire comme ça. Toutes ces mêmes bagages là qui sont dans différentes façons que nous présentons. Et so, nous disons merci parce que vous avez regardé la vidéo. Ça a été connecté ensemble avec Miss Cathy. Donc, so, abonnez-vous à la chaîne pour l'autre vidéo que nous avons blagué. Bye bye, guys. Mouah.